Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui, je fais des masques pour Halloween. Mais ces masques peuvent être utilisés pour un bal masqué ou pour le carnaval. Réchauffez votre pistolet à colle chaude, on commence. Pour le premier masque, je commence par couvrir la photocopie d'un masque avec un sac de plastique transparent récupéré. Puis, avec mon pistolet à colle chaude, je dessine le masque et je le laisse refroidir. Ici, j'ajoute des paillettes, mais vous pouvez ajouter des perles de cristal. Maintenant, je libère le masque du sac de plastique. J'ajoute maintenant les bracelets de cheville que j'ai achetés et qui vont me servir de bordure pour mon masque. Il est temps d'ajouter les rubans. Et voilà! Pour le deuxième masque, je commence par couvrir la photocopie d'un masque avec un sac de plastique transparent récupéré. Puis, avec mon pistolet à colle chaude et un bâton de colle noire, je dessine le masque. Pensez à ajuster la température de votre pistolet à colle chaude à la plus basse température. Ici, j'ajoute des paillettes, mais vous pouvez ajouter des perles de cristal. Maintenant, je libère le masque du sac de plastique. Il est temps d'ajouter les rubans. Et voilà! Pour le troisième masque, j'utilise la photocopie d'un masque que je vais redessiner pour me faire un modèle simplifié. J'utilise ici du papier vellum qui est plus solide que du papier à tracer. Thank you.
Je commence par couvrir mon modèle avec un sac de plastique transparent récupéré. Puis, avec mon pistolet à colle chaude à basse température, je dessine le masque et laisse la colle refroidir. Je libère le masque du sac de plastique. Trucs et astuces. Lorsque vous ouvrez pour la première fois un pot de peinture, prenez soin de bien huiler le filet. Ainsi, la peinture ne collera plus sur le filet et vous n'aurez jamais de problème à l'ouvrir. Ici, j'utilise de la peinture acrylique phosphorescente, très puissante. Il est temps d'ajouter les rubans. Et voilà! Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « Like », partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci!